Bonjour, monsieur Alhian. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan du processus de la digitalisation engagé par l'Agence nationale de la conservation foncière? Effectivement, l'agence de la conservation foncière et du cadastre de la cartographie est rentrée dans une nouvelle ère de digitalisation. C'est un processus qui a démarré avec les compétences marocaines et nous sommes maintenant, depuis le 2 juillet, pratiquement on a basculé vers la digitalisation par rapport à tout ce qui est cadastre et cartographie. Donc une plateforme dédiée aux ingénieurs géomètres topographes est opérationnel. C'est une plateforme qu'on a mise en place en collaboration avec l'Ordre des ingénieurs topographes et qui est maintenant parfaitement opérationnelle et que nos partenaires topographes sont très satisfaits. Très bien. Est-ce que vous pouvez, monsieur Alhien, nous avancer quelques chiffres sur le bilan, c'est-à-dire le nombre d'usagers concernant les différents services, si c'est possible? Le bilan est très positif. C'est prématuré maintenant de parler de chiffres parce qu'à peine un mois qu'on a basculé totalement vers la digitalisation. Mais tout ce que je peux vous dire, que la tendance est vers la digitalisation et tout ce qu'on traitait avant d'une manière analogique, c'est devenu digital. Donc pratiquement le bilan est très positif. Concernant par exemple Mouhafadati. Mouhafadati, c'est un service qui est mis en place, ça fait déjà une année. Et c'est un service qui est dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens marocains, au niveau national qu'à l'étranger. Et c'est une prestation qui lutte contre la spoliation des biens d'autrui. Et c'est une prestation pour laquelle l'ensemble des citoyens commence à adhérer d'une manière massive et que nous faisons beaucoup de publicité pour le faire connaître auprès de l'ensemble des citoyens. Très bien. Concernant les perspectives Les dans perspectives, ce processus de digitalisation. c'est la modernisation de l'agence, c'est la digitalisation massive de l'agence, c'est la transparence, le professionnalisme et un meilleur service aux citoyens. Très bien. Quand est-ce que vous allez boucler, c'est-à-dire quand est-ce que vous serez à 100% de digitalisation des Vous savez, services? maintenant, nous sommes pratiquement totalement digitalisés par rapport à la plateforme topographe, IJT. Et prochainement, c'est avec les notaires. Et nous allons continuer dans cette démarche pour digitaliser l'ensemble des prestations avec des améliorations au quotidien. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.